Bien, première session donc de cours sur la valeur donc en finance, UE2 DSCG. Et donc on va d'abord faire une petite intro avant d'aborder ce qu'on appelle la valeur et le risque. Et dans une prochaine séance, on abordera la valeur et le temps. Donc là, on va d'abord commencer très rapidement et d'abord parler très rapidement de ce que sont les marchés financiers. Donc, les marchés financiers de capitaux, ils confrontent donc l'offre et la demande de financement. Donc, certains agents économiques investissent plus qu'ils n'épargnent. Ils ont donc besoin de recourir à un financement externe. En fait, les marchés financiers vont mettre en rapport des gens qui ont des sous et des gens qui peuvent effectivement, qui ont besoin de sous, en fait. Alors que d'autres épargnent plus qu'ils n'investissent, ils ont donc capacité à procurer des financements aux premiers agents qui, eux, en ont besoin. En fait, c'est un lien entre des épargnants et des investisseurs. Donc, le marché financier remplit plusieurs fonctions. Il y a d'abord le marché primaire, c'est-à-dire le marché du neuf. Et le marché secondaire connu sur le marché de l'occasion. Et bien sûr, dans le marché, donc les fonctions, c'est la valorisation des actifs financiers. Donc, valorisation des actifs financiers, la mutation du système productif et la fonction de négociation et de transfert du risque. Donc, ce qui est très important, c'est donc la confrontation de l'offre et de la demande. Et après, comment les actions, comment les titres sont, si vous voulez, évalués. Donc, le marché primaire est le marché où les titres sont émis pour la première fois. Je ne sais pas si vous avez assisté, par exemple, à des augmentations de capitaux ou à une introduction en bourse. Le banquier peut effectivement vous appeler pour vous dire est-ce que vous souhaitez réserver. Acheter des actions, rappelez-vous, lorsque France Télécom, à l'époque, France Télécom donc, a fait une introduction en bourse, il y a eu auprès du public des appels donc d'émission. Donc les banques étaient censées donc, récupérer les demandes des particuliers. Donc on pouvait réserver, je ne sais pas, 50 actions France Télécom, 100 actions France Télécom, mais bien entendu, on n'était pas sûr d'être, si vous voulez, servi, parce qu'il y a quand même des quotas. Et alors, donc, ça, c'est le marché primaire. Donc, le marché primaire est le marché où les titres sont émis pour la première fois. Donc, on va utiliser le terme de marché du neuf. Donc, il permet de lever du capital et de transformer directement l'épargne des ménages en ressources longues pour les collectivités publiques et privées. Donc, le marché financier, il met en présence demandeurs et offreurs de capitaux à long terme. Donc, le flux le plus important concerne les émissions d'actions et d'obligations destinées aux entreprises, tant du secteur public que du secteur privé. Un autre flux représente le financement des administrations par l'émission d'obligations sur le marché financier, emprunt d'État, emprunt des collectivités locales, telles que départements, communes, villes, et organismes divers, chambres de commerce, d'agriculture, etc. Donc voilà pour le marché primaire. Ensuite vient le marché secondaire, c'est-à-dire une fois que les titres sont en circulation, ils vont faire l'objet de cotations et d'échanges. Et donc là, on va passer dans le marché appelé le marché de l'occasion, en fait. Donc en tant que marché secondaire, le marché financier assure la liquidité et la mobilité de l'épargne. En fait, les personnes qui vont acheter, qui vont acquérir des actions, auront bien sûr les marchés financiers pour leur garantir la liquidité de ces dernières. C'est-à-dire à tout moment, ils peuvent vendre leurs actions. Donc ça, c'est très important. Donc, en permettant la mobilisation de l'épargne investie en actions ou en obligations, la bourse assure le bon fonctionnement du marché primaire. Donc, la possibilité de pouvoir négocier à tout moment sur le marché les actions et les obligations qu'ils ont en portefeuille ou en acquérir d'autres. C'est-à-dire que dans le marché secondaire, on peut faire ce qu'on veut. On a un portefeuille d'actions, on vend nos actions, on achète d'autres, on revend de nos actions, on achète d'autres, etc., etc.
D'accord? Donc, ce qui rend bien sûr l'opération très attractive. Autrement dit, c'est une opération assez souple qui permet à chacun, particulier, entreprise, d'acheter et de vendre. Donc, la fonction de marché secondaire permet de déterminer la capitalisation boursière, soit la valeur de marché des capitaux propres d'une société cotée, obtenue en multipliant le nombre d'actions en circulation par la valeur boursière. Comme on sait, il y a ce qu'on appelle les capitaux propres d'une société, il y a la valeur comptable. Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la valeur comptable de la valeur de marché. Ce n'est pas du tout la même chose. La valeur comptable, si par exemple une entreprise, à sa création, elle a émis, je ne sais pas moi, 10 000 actions à 20 euros chacune, sa valeur de marché, ce n'est pas 10 euros, ça peut être au fil du temps, ça peut être 20, 30, 40, 50, 60 euros. Donc là, il y a ce qu'on appelle les capitaux propres, donc établis comptablement. Il y a ce qu'on appelle les capitaux propres, donc évaluer ce qu'on appelle la valeur de marché. Alors, c'est obtenu comment? En multipliant, comment on calcule une capitalisation boursière? On multiplie le nombre d'actions en circulation par le cours d'une action. Et vous avez ainsi la valeur boursière d'une entreprise. Et bien sûr, parmi toutes les valeurs boursières, vous avez les 40 plus importantes. C'est pour ça que nous avons les entreprises du CAC 40, cotation. Donc, on continue. Ce sont des qui ont les plus grandes capitalisations. OK. Ensuite, vous avez des instruments de mesure des actifs financiers. Très important, dans un marché efficient, la formation des prix qui mesure la valeur des actifs financiers se réalise en fonction des anticipations des intervenants et de leurs contraintes de liquidité. D'accord? Donc, nous avons après la mutation des structures de production. Un marché financier concourt à la mutation des structures de production. Celle-ci se modifie, entre autres, par l'acquisition d'actifs ou par la prise de contrôle d'autres sociétés. Telles opérations peuvent être financées par l'émission de valeurs mobilières sans qu'il soit donc nécessaire de faire appel à la trésorerie de l'entreprise. Alors, donc ici, nous avons les titres et leurs caractéristiques. Jusqu'à une époque récente, les valeurs mobilières sont représentées par deux catégories de titres qui matérialisent les droits acquis par ceux ayant apporté des capitaux à une collectivité émettrice, publique ou privée. Il y a les actions d'un côté et les obligations de l'autre. Donc, les actions confèrent à leur détenteur ce qu'on appelle un droit de propriété, alors que les obligations confèrent à leur détenteur un droit de créance. C'est totalement différent. Bien sûr, la différence, elle réside dans quoi? Une action va verser tous les ans à ses donc, détenteurs, va verser ce qu'on appelle un dividende. Donc, l'équivalent du dividende dans le cas d'une obligation, c'est tout simplement le coupon d'intérêt. Donc, bien sûr, on aura l'occasion d'aborder le marché des actions et le marché des obligations. D'accord? Et donc, ces deux catégories de titres sont bien sûr diversifiées. Elles sont devenues des familles de titres. Hein? Donc, bien sûr, il y a une déclinaison de tout ce qui est actions et obligations. D'autres familles de titres sont apparues, contrats à terme et contrats d'option. Donc, ça, c'est pareil. C'est des choses que l'on verra ensemble lorsqu'on abordera le marché des options. OK. Alors, une chose très importante, il faut bien sûr, ça, ce sont des questions de cours qui peuvent surgir en DSCG, c'est ce qu'on appelle l'efficience des marchés. Donc, il faut savoir ce qu'est un marché efficient. Donc, un marché sera efficient si l'ensemble des informations pertinentes à l'évaluation des actifs financiers qui y sont négociés se trouvent instantanément reflétées dans les cours. C'est ça un marché efficient. C'est-à-dire le cours traduit exactement la valeur de l'action, la vraie valeur. Un tel marché, bien sûr, il inclut quoi? Il inclut instantanément les conséquences des événements passés et bien sûr, il reflète précisément les anticipations exprimées par les événements futurs. Donc, en fait, quand vous avez le cours, dans un marché efficient, le cours d'une action à 50, on peut estimer que c'est un vrai cours.
parce qu'elle a intégré tous les éléments du passé et du futur. Donc, le concept de marché informationnellement efficient a des implications extrêmes pour la pratique de la gestion de portefeuille. C'est très important pour les gestionnaires de portefeuille. Le fait d'avoir des marchés efficients, ils peuvent faire des calculs sur des bases solides. Il n'y a pas de spéculation. D'accord ? Un marché qui commence, lorsqu'on parle de spéculation, on quitte l'efficience, en fait. Donc, seuls les investisseurs qui disposent d'informations privilégiées peuvent prétendre pouvoir réaliser des gains anormaux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le délai d'initié. Mais en principe, dans un marché financier, ça ne doit pas exister. C'est-à-dire qu'aucune personne, normalement, ne doit détenir plus d'informations qu'une autre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais en fait, les marchés corrigent très vite. Les marchés corrigent très vite. Lorsque vous avez une action qui suscite un intérêt soudain, on se demande pourquoi. Donc, il y a forcément une réaction. Donc, après, les prix s'adaptent parce qu'il y a un problème. C'est un problème d'offre et de demande, c'est un problème économique. Donc, bien sûr, si un investisseur dispose d'informations privilégiées, forcément, il va en user pour tirer avantage de la situation. Mais ça ne doit pas exister normalement dans un marché efficient. Alors, c'est très important aussi, il y a ce qu'on appelle, dans les marchés, il y a des choses qui échappent un peu au commun des mortels. C'est ce qu'on appelle les anomalies, il y a le comportement rationnel des acteurs. Donc, on part du principe que tous les acteurs sont rationnels. C'est-à-dire qu'ils font tous le même choix, la plus grande rentabilité pour le plus faible risque. C'est ça le choix rationnel. La rationalité fait que n'importe qui va chercher la meilleure rentabilité pour le risque le plus faible. Donc, les marchés financiers sont efficients dans la mesure où les prix des actifs qui y sont cotés sont uniquement des anticipations rationnelles qu'ont les investisseurs de leurs revenus futurs. Voilà. Donc, l'efficience des marchés s'appuie sur la rationalité des acteurs sur le marché. Ça, c'est important. Après, vous avez ce qu'on appelle l'efficience des marchés, donc les trois niveaux d'efficience. Il y a le niveau faible, la forme faible, la forme semi-forte ou semi-faible, et la forme forte. Alors, une forme faible d'efficience, c'est quoi? C'est lorsque l'historique des cours, donc les cours passés, lorsque les cours passés, donc l'historique des cours a intégré l'ensemble des informations disponibles dans le passé. C'est-à-dire que l'action qui vaut 50 euros aujourd'hui, dans une forme faible d'efficience, c'est qu'elle a intégré tous ses paramètres anciens, en fait, dans le cours affiché aujourd'hui. Il y a une forme semi-forte d'efficience lorsqu'on élargit la notion d'information à l'ensemble de l'information disponible publiquement. C'est-à-dire, en plus du fait qu'on tienne compte des éléments passés dans la forme faible, dans la forme semi-forte, on y ajoute toutes les données comptables, les annonces d'opérations financières concernant distribution de dividendes, augmentation de capital. Tout ça doit être, tous les acteurs doivent être, la forme semi-forte permet à tous les acteurs de se tenir au courant de la situation comptable d'entreprise, de ce qu'elle verse comme dividende, si elle a une augmentation de capital. Donc tout ça, c'est le niveau d'efficience, et ça, c'est la forme semi-forte. Il existe une troisième forme, c'est la forme d'efficience forte. Lorsque l'on considère que toute l'information existante dans l'entreprise, cette fois-ci, on va tout considérer. Lorsqu'on va considérer toute l'information existante dans l'entreprise, son secteur économique, qu'elle soit publique ou privée. Donc là, c'est la forme d'efficience forte. Donc il y a trois niveaux d'efficience, la forme faible, la forme semi-forte et la forme forte. Alors, ça, c'est très important. Dans un marché efficient, il doit y avoir ce qu'on appelle une
AOA, c'est-à-dire une absence d'opportunité d'arbitrage. Qu'est-ce que c'est une opportunité d'arbitrage? On dit qu'il existe une situation d'arbitrage lorsqu'il est possible de réaliser un profit sans risque et sans apport de fonds pour une combinaison de deux ou plusieurs transactions. Prenez l'exemple. Admettons qu'une action soit cotée, une action X soit cotée 100 euros sur le marché du Nasdaq. Et la même action X est cotée 105 euros à Euronext dans Paris. Le CAC la cote à 105 euros. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les gens vont acheter l'action à 100 et ils vont la revendre instantanément à 105. Ils vont donc réaliser une plus-value de 5 sans avoir déboursé, sans avoir pris le moindre risque. Donc ça, c'est une opportunité d'arbitrage. Dans un marché efficient, ça ne doit pas exister. Donc s'il existe donc cette opportunité d'arbitrage, elle sera très rapidement corrigée. Pourquoi? Parce que tous les gens vont affluer pour acheter des actions à 100 et tous les gens vont revendre des actions à 105. Qu'est-ce qui va se passer mécaniquement? Ben, les actions à 100, puisque la demande est forte, le cours va monter. Les actions à 105, puisque les gens s'en séparent, le cours va baisser et donc on aura ce qu'on appelle un équilibre du marché. Autrement dit, l'opportunité d'arbitrage, si elle existe, elle ne durera que quelques secondes, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc ça, normalement, ça ne doit pas exister dans un marché efficient. L'opportunité d'arbitrage, dans un marché efficient, on dit qu'on a une absence d'opportunités d'arbitrage. Du coup, monsieur, dans votre exemple, le cours des actions X, quand l'opportunité d'arbitrage se disparaisse, serait de 102. Peu importe, elles auront le prix d'équilibre. Elles vont se négocier au même Il y prix aura une partout. nouvelle valeur quand même qui va sortir. Voilà, exactement. Très bien. Et c'est pour ça qu'il existe une fonction en finance, une fonction d'arbitragiste. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et c'est pour ça que les outils, les grandes entreprises qui, effectivement, les grandes banques, sont équipées de moyens électroniques très puissants, qui sont capables de déceler ce type d'anomalie. Mais ce type d'anomalie ne peut durer que quelques secondes. Donc, en fait, les opérations se font très rapidement. Et donc là, c'est une fonction. Il y a des personnes qui ont le métier d'arbitragiste. Ils guettent ce qu'on appelle ces opportunités d'arbitrage. Est-ce qu'il est possible de réaliser une plus-value, de réaliser un gain sans prendre de risque et sans avancer de fonds? C'est possible. Mais si cette situation existe dans un marché efficient, elle doit s'éteindre très vite. Voilà. Vous avez compris? Oui, c'est clair, monsieur. OK. Alors, ceci, bien sûr, après, il y a la remise en cause, puisque les marchés sont efficients, donc puisque le cours d'une action intègre et les données passées et les données futures, donc on peut dire que ce qu'on appelle ceux qui font de l'analyse graphique, l'hypothèse d'efficience faible, suppose qu'il n'est pas possible de prévoir l'évolution des cours futurs à partir des cours passés, normalement. Donc, tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle l'analyse graphique, on dit que, en fait, c'est une opération vaine. Pourquoi? Parce que, normalement, on est censé avoir des marchés efficients, donc l'évolution des cours futurs, les chartistes, comme on les appelle, ceux qui font appel à l'analyse graphique, ils vont utiliser des données passées pour faire des projections sur le futur, n'est-ce pas? Mais dans un marché efficient, cette situation, le cours d'aujourd'hui a intégré sa valeur par rapport à ce qu'elle valait et il tient compte des données futures. Donc en fait, on dit que
beaucoup remettent en cause les analyses graphiques en disant qu'elles ne sont pas scientifiques, en fait. Donc, ceci remet en cause les analyses technico-graphiques qui tentent d'anticiper l'évolution future des cours des actifs à l'aide d'analyses statistiques ou graphiques des évolutions passées des cours. C'est quand vous tenez compte d'une donnée passée pour pouvoir vous projeter à l'avenir, mais les données passées, leur valeur a déjà été intégrée dans le cours d'aujourd'hui. Donc ça, il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'après, bien sûr, il y a toujours l'école des graphistes. Hein, c'est un métier. Les gens qui ne font que ça. Avec des chartes, ils vont analyser l'évolution d'une action sur 2 mois, sur 6 mois, etc. Et faire des prédictions. Alors, la mise en évidence de la relation entre la rentabilité et le risque. Alors, la prise en compte de toute information disponible par le marché autorise les investisseurs à faire confiance à ces derniers. D'accord ? Parce que tout le monde part du principe que les marchés sont efficients, justement pour évaluer correctement la valeur d'un titre. Donc, à chaque fois, ça c'est une donnée en finance, si vous recherchez plus de rentabilité, il faut nécessairement prendre plus de risques. Une rentabilité supplémentaire doit nécessairement générer un risque supplémentaire. Après, nous avons ce qu'on appelle des agents économiques. Il y a des agents qui sont risk averse en anglais. Ça veut dire des gens qui ont une aversion pour le risque. Donc, ils préfèrent prendre le moins de risques possible. Donc, forcément, la rentabilité attendue sera inférieure à ce qu'elle est censée procurer à des personnes qui prennent plus de risques. Donc, pour plus de rentabilité, un investisseur doit accepter de prendre plus de risque. C'est ça qu'il faut bien, on aura l'occasion d'y revenir aujourd'hui, c'est la notion rentabilité-risque, c'est un couple qui fonctionne constamment. En finance, c'est le couple sur lequel on va effectivement travailler, rentabilité d'un côté et risque de l'autre. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de maximiser la rentabilité en essayant de minimiser le risque. Donc, plus on gagne et moins on prend de risque, et mieux c'est. Okay. Alors, bien sûr, pour les entreprises de côté, l'efficience informationnelle conduit à une juste valorisation des titres qui facilite le placement des émissions nouvelles de titres. Donc, les investisseurs peuvent faire confiance aux valorisations proposées qui prennent en compte toutes les informations disponibles. Alors voilà, il y a quelques anomalies quand même. Il y a l'effet, ce qu'on appelle l'effet PER, l'effet taille et l'effet de fin d'année. Donc des études indiquent que les actions des firmes de petite taille mesurées en capitalisation boursière rapporteraient plus que celles des firmes de grande taille. C'est-à-dire que quand vous allez acheter une action, si vous prenez une petite société faiblement cotée, donc dont la valorisation boursière est très faible, comparativement, par exemple, un géant comme Total, eh ben, on dit, hein, les études indiquent que la petite entreprise, hein, on a plus de chances de valoriser ses actions, de réaliser une meilleure plus-value sur une petite firme qu'une grande firme. D'accord ? Donc, alors le PER, le Price Earning Ratio, c'est le rapport entre capitalisation boursière, résultat net, ou bien entre le cours de l'action et le bénéfice net par action. Alors, bien sûr, certains remettent en cause l'efficience des marchés. Donc, certains remarquent qu'il y a quand même pas mal d'anomalies. Bon, il y a l'effet week-end, l'effet vacances, l'effet changement de mois. Vous savez, quand vous allez en bourse, je ne sais pas si vous avez acheté des actions, mais bon, il faut déjà pour acheter des actions, ça dépend des sommes que vous investissez, mais si vous investissez de grosses sommes, effectivement, il faut vous attendre à passer des nuits assez mouvementées et il faut surtout avoir les nerfs solides. Et donc, en fait, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de personnes qui réagissent différemment selon qu'on est le lundi ou le vendredi. Donc, si vous regardez le CAC 40, surtout quand le marché est très fluctuant, parce que ça monte et ça baisse, il y a souvent des personnes qui arrivaient le vendredi
vendre leur action ou en racheter le lundi ou mardi. Donc ça, c'est l'effet week-end. Donc il y a aussi il y a aussi des personnes qui font des choix avec l'effet du changement de mois. Il y a aussi l'effet des vacances. Quand vous partez au mois d'août, il y a certains vous des conseils d'en acheter parce que le marché va être atone, etc., etc. Et il y a aussi tout ça, à travers tout ça, il y a ce qu'on appelle la finance comportementale. Donc, je vous enverrai des documents à ce propos. En fait, il y a beaucoup de psychologie dans la finance. Je vous dis, vous avez deux types de, vous avez deux types d'investisseurs. Vous avez l'investisseur qui sera posé, rationnel, réfléchi. Et puis, vous avez ceux qui vont peut-être céder à l'effet de panique, ce qu'on appelle les fameux moutons de Panurge. Dès que le marché s'emballe un petit peu, il y a des gens qui vont commencer à vendre les actions à tout va. Il y a un phénomène de Panurge qui s'installe et tout le monde fait la même chose. Forcément, les cours, la bourse, elle chute. Mais ça, c'est lié à la psychologie des investisseurs. Il n'y a aucun élément il y a aucun élément déclencheur, c'est-à-dire qu'il y a simplement une rumeur. On peut entendre une rumeur quelconque et on peut avoir le cours d'une action s'effondrer. Et voilà, c'est l'effet mouton, comme écrit Michel. Voilà globalement les éléments d'introduction pour la valeur en finance. Et maintenant, on va essayer de quantifier cette valeur, c'est-à-dire quantifier, calculer une rentabilité et surtout calculer un risque. OK. Donc là, on va faire un petit peu de mathématiques pour changer. Alors, j'insiste, il faut impérativement, avec moi, il faut tout comprendre en fait. Ne laissez rien passer. Ne laissez rien passer. Vous comprenez pas, vous le dites, d'accord? Mais encore une fois, là où vous êtes rendu, vous avez tous capacité à comprendre, d'accord? Alors d'abord, est-ce que vous avez idée de comment on calcule, par exemple, une rentabilité? On calcule une rentabilité, la rentabilité par exemple d'un titre. On part de l'évaluation de la société et on divise par le nombre de titres. OK, c'est pas tout à fait ce que j'attendais comme réponse, mais attendez, j'essaie de voir. Voilà, voilà. Prenons par exemple. L'action. Là, je prends un extrait que je vous ferai, un exercice que je vous ferai faire tout à l'heure, d'accord? Donc, extrait d'une épreuve du E2 de finance. OK. Donc, l'exercice, il dit ceci. Donc, je vous donne juste une partie, ce qui me permettra d'introduire le premier concept. Donc, d'abord, admettons, ici, on vous dit le cours boursier de LVMH, et donc je vous montre plutôt, ce sera plus facile. Ah, c'est pas celui-là. Voilà. Par exemple, ici, on vous dit en annexe, nous avons donc le cours boursier de LVMH et la rentabilité du marché en N. Donc, d'un côté, nous avons la rentabilité mensuelle du marché. Ici, nous avons les 13 premiers mois. Donc, le cours en euros de LVMH était le premier mois de 78,61. Le deuxième mois, 78,03. D'accord?
le troisième mois, 80, etc. OK? Et donc, la question que je vous pose, on va calculer sur les 6 premiers mois, on va calculer ensemble la rentabilité de LVMH. Donc, je vais reproduire une partie de ce tableau, d'accord? Presque, Daniel. OK, ce sera beaucoup plus simple que ça encore. Alors, on va donc traduire. On va donc, je vais essayer de présenter ce tableau-là. Donc là, nous avons. Là, je prends que les quelques mois. Hein. Là, j'ai. Je prends le tableau par le bas. Donc là, j'ai la date. Là, j'ai le cours du titre. Cours du titre en euros. Et là, j'ai sa rentabilité mensuelle. D'accord? Stabilité mensuelle que je vais calculer. Et là, je prends juste l'énoncé tel qu'il est. Donc, mois 1, je ne prends pas tous les mois, hein. Je prends mois 1, mois 2, mois 3, puis ça monte jusqu'au mois 13. Ça vous ferait le calcul tout à l'heure. Donc là, j'ai mois 1, mois 2, mois 3 et mois 13. Donc on a analysé le cours de cette action sur 1 an, sur 13 mois, si vous préférez. Donc le premier mois, le cours de l'action était de 78,61 euros. Le mois 2, il est de 78,03 euros. Le troisième mois, le cours de l'action est de 80,03 euros. Voilà, je vais rajouter peut-être le mois 12. Le mois 12, le cours de l'action 13, 124,50. Et ça, c'est 117,50. Ça, ce sont des données réelles, d'accord? Ce n'est pas fictif. C'était vraiment le cours de LVMH le cours du titre sur tous les mois. D'accord? Donc maintenant, on va calculer l'objectif, calculer la rentabilité mensuelle, rentabilité mensuelle du titre LVMH. Très bien. Là, je vais faire une première supposition ici. L'action, le titre, ne verse aucun dividende sur l'année. Donc, aucun dividende. Aucun dividende n'a été versé. Aucun dividende n'a été versé. Pour calculer la rentabilité, je l'appelle R, d'une action I,
le mois T ou la période T. Ça se lit rentabilité du titre I. Donc le I, c'est LVMH. D'accord? Faut bien lire les lettres, hein. Rentabilité I. Donc rentabilité I, c'est le titre LVMH. T, c'est le mois. Donc T égale 1, c'est le premier mois. T égale 2, etc. Donc la rentabilité du titre I pour la période T, c'est quoi? C'est le cours de l'action. C'est le cours de l'action, le mois T, moins le cours de l'action, le mois T-1, le mois qui le précède, moins le dividende versé à l'instant T. Et le taux divisé par le cours de l'action à l'instant T-1. Si je décompose cette formule, elle va se décomposer comme ceci. Je dis une bêtise, bien sûr, vous avez compris. Ici, c'est un plus. Rentabilité, c'est tout simplement dt divisé par le prix de l'action à l'instant T-1, plus P de T moins P de T-1, le tout sur P de T-1. Ça, c'est le rendement de l'action. Ça, la différence au numérateur, c'est notre plus-value. Donc, notre plus-value, elle représente quel pourcentage? Parce que je divise par P de T-1. Et la somme des deux, la somme de rendement plus plus-value, me donne la rentabilité du titre. Est-ce que j'ai été trop vite? Est-ce qu'il y a des éléments que je dois réexpliquer? Encore une fois, je veux que vous compreniez tout. Non, c'est clair, monsieur. Voilà, ce qui me plaît, c'est que tout le monde comprenne. C'est une partie qui est assez technique, qui nécessite quand même certaines connaissances. C'est pour ça que je vous dis tout le travail qu'on avait fait avant, c'est un travail qui sera très, très utile. Je n'ai pas trop compris, monsieur. C'est un risque qui dit ça. OK. Très bien. Je te dis, j'ai une action, son cours est de ce mois-ci, d'accord? Là, tu m'arrêtes à risquer. Hein. Le cours de l'action est de 76,61 le premier mois. Donc T égale 1, d'accord? Au deuxième mois, T égale 2. Le cours de l'action passe à 78,03. Est-ce que ça va? Euros. D'accord? Ok, Rudy, je vais répondre après. Donc là, je suppose que l'action ne verse aucun dividende. Donc, si je veux calculer la rentabilité de l'action ici, pour ce mois-ci, pour le mois 2, je fais rentabilité du mois 2 moins rentabilité du mois 1 là, je suis trompé, j'ai mal écrit. C'est 78. 78, je suis trompé. OK. Hein, c'était 78. 78, 61 et 78,03. D'accord? Alors, je fais donc 78,03, n'est-ce pas, Reski? Moins
78, 61, là, l'action ne verse aucun dividende. Donc, divisé par le cours 78, 61. Je fais l'opération multiplié par 100. Et en pourcent, ça fera moins combien? Ça fera moins combien? Donc, j'ai moins 0,378%. Est-ce que ça va? 300, pardon. 38%. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Monsieur, ça c'est la rentabilité, c'est ça? Ça, c'est la rentabilité du titre. C'est en pourcentage. C'est toujours en pourcentage? Oui, en pourcentage. En général, on l'exprime en pourcentage. D'accord, merci. Rentabilité du titre. Ça, c'est la rentabilité du titre le premier mois. Monsieur, Oui. dans cet exemple, il n'y a, on n'intègre pas encore les dividendes. Je dis, dans tout l'exercice, on ne verse aucun dividende, en fait. D'accord, ok. D'accord. Si par exemple, on te dit qu'entre le mois 2 et le mois 3, on verse un dividende, dans ce cas-là, je vais calculer la rentabilité en utilisant la formule complète. Oui, Donc là, dans tout l'exercice, il n'y a aucun dividende n'est versé, en fait. d'accord, très bien. Merci. Vous avez dit que c'est la rentabilité du premier mois à partir du mois 2. On commence à partir du mois Ah, 2. bien sûr, c'est toujours quand vous avez des cours, quand vous cherchez des rentabilités, vous lâchez toujours la première valeur, c'est logique. Ouais. En fait, ici, à la fin, j'aurai, puisque j'ai 13 mois, j'aurai 12 rentabilités. Ouais. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Merci. OK. Monsieur, Oui. on peut calculer une rentabilité, par exemple, entre le mois 1 et le mois 13, par exemple? Ah, attendez, ça je vais vous l'expliquer, vous allez voir que non. Ça n'a pas d'intérêt en fait. D'accord. Vous allez voir. Ça justement, je vais expliquer ça pour voir ce qu'on appelle les rentabilités arithmétiques, rentabilité géométrique. Mais d'abord, on va rester sur la rentabilité tout court. Donc là, voilà. Voilà l'écriture beaucoup plus propre. Donc la rentabilité à la période T est égale au prix au cours de l'action à l'instant T. Là, j'ai fait une erreur. Ah, zut. Je sais pas pourquoi je fais la même erreur à chaque fois. Donc là, le problème, c'est que vous avez compris. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. La preuve, c'est que ça ressort ici. Ça, c'est bien plus. Donc, la rentabilité à l'instant T, la rentabilité le mois, la période T, c'est le cours de l'action à l'instant T moins le cours de l'action précédente, de la période précédente, plus le dividende éventuel sur le cours de du titre de la période précédente. Et après, donc ça, on peut l'éclater en deux. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le rendement. Et donc là, c'est votre plus-value parce que vous vendez. Alors, ça peut être une moins-value, hein, comme dans notre exemple tout à l'heure, c'était une moins-value. Est-ce que ça va? C'est une plus-value si P de T est plus grand que P de T moins 1. Mais si le cours à l'instant T est inférieur au cours à l'instant T moins 1, vous avez forcément une moins-value. Est-ce que tout le monde a compris la formule, déjà, comment elle s'articule? D'accord? Donc, comme vous êtes chez vous et vous avez un tableur Excel, ce que je vais vous demander tout simplement, d'accord? Ce que je vais vous demander tout simplement, c'est de me calculer, d'accord? Me calculer la rentabilité du cours, la rentabilité de LVMH sur les 12 mois, sur les 13 mois. OK? Allez, je vous laisse faire ça. Oui, monsieur. Oui? La rentabilité mensuelle du marché, ça correspond à quoi? Les pourcentages qui sont à côté, c'est
Non, là, ah non, ça c'est la rentabilité du marché qui a été calculée. Ça, je vais vous Ah. l'expliquer après. Donc, Ah, d'accord. pour le moment, oubliez ça, mais je peux OK. répondre. En fait, le marché, par exemple, le marché, il a pas, il a, sa cote, c'est l'indice, en fait. Ouais. Par exemple, admettons que le mois 1, l'indice était de 580. Et le mois 2, l'indice est passé à 588. Ben là, on va chercher la rentabilité de l'indice D'accord. en faisant la même chose. Donc là, dans l'exercice, ils nous ont calculé les rentes. C'est pour pas qu'il y ait trop Ah. de calculs le jour de Ah, l'examen. d'accord. Ils OK, ont fait ces c'était déjà calculs-là. calculé, quoi. Mais sinon, on les calcule exactement comme ici. Donc là, on veut tester l'étudiant pour savoir si c'est calculer une rentabilité. Voilà. Donc D'accord. ça, c'est un sujet du E2, en fait. Ouais, OK. d'accord. Je vous laisse faire ça. Alors, pour aller vite, bon, le mieux, c'est de le faire manuellement parce que le jour d'examen, vous n'aurez pas Excel. Mais bon, ceci étant, voilà, vous pouvez tricher un peu. Allez, je vous laisse faire les calculs pour me trouver donc. En fait, vous allez trouver des rentabilités en face. Ça va démarrer ici, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Est-ce que c'est bon? Donc, vous aurez forcément 12 rentabilités. Vous avez compris? Donc, Oui. celle-ci, ici, pour la rentabilité du mois 2, qu'est-ce que vous faites? 78,03 moins 78,61 divisé par 78,61. Et ainsi de suite. OK? Allez-y. De toute façon, en finance, il faut faire des calculs, il faut s'entraîner. C'est ça le but. C'est pas le prix. Ça, c'est le cours. Daniel, c'est le cours. C'est le cours le premier mois. Oui, c'est le cours. Le cours des LVMH le premier mois, c'était 78,61. Le deuxième mois, le cours est passé à 78,03. Est-ce que ça va? C'est en fait, on a fait la moyenne de tous les cours sur le mois. Un. Tous les jours, l'action est cotée tous les jours. Vous me suivez ou pas? L'action est cotée tous les jours. Et on a trouvé que le mois 1, il y avait une moyenne de 78,61, le cours. On a compris? Monsieur, Oui. j'ai une question. On ne peut pas calculer la rentabilité du mois 1 si on n'a pas la rentabilité du mois 0, par exemple. Mais c'est ce que je vous explique. Pour calculer une rentabilité, il y a forcément la première valeur, vous la lâchez, c'est logique, il faut bien démarrer. Ah oui, d'accord. Donc vous allez forcément démarrer à la rentabilité du mois 2. OK, Et vous aurez merci. comme ici 12 valeurs. Vous voyez ici, il n'y a rien. Ici, c'est logique. Parce que l'indice le moins 1, l'indice le moins 2, indice le moins 2, moins l'indice le moins 1, divisé par l'indice du mois 1, ça me donne l'indice du mois 2. Donc je commence ici. Et donc là, vous allez commencer aussi ici. Est-ce que ça va? Oui, merci. OK. Allez, je vous laisse. Je pense avoir fini. Vous avez fini? Oui. Oui, monsieur. Alors, donc moi, je ne me suis pas trop embêté. J'ai utilisé le tableur. Donc, en fait, ici, j'ai rentré ma formule que vous voyez. Alors, ma formule ici en pourcentage. Donc, la formule, c'est quoi? C'est B2 moins B3 divisé par B3 en pourcentage que j'ai tiré vers le bas. Vous avez compris? La formule qui est là, j'ai fait B2 moins B3, entre parenthèses, le tout divisé par B3 et en pourcentage. OK. Tout le monde est OK, pas de problème. Tout le monde est arrivé à faire. Pas de questions. Non, c'est clair, monsieur. OK. Alors maintenant, on va continuer notre exploration. On va maintenant calculer ce qu'on appelle une première chose. On va calculer une rentabilité moyenne. Alors bien sûr, une moyenne arithmétique d'un titre. Qu'en fait, j'ai un titre I dont j'ai les rentabilités sur n périodes, sur n jours. Donc là, j'ai écrit le jour T, mais ça peut être le mois T, ça peut être OK.
Et donc, j'ai analysé ça sur N jours. La rentabilité moyenne, c'est la somme des rentabilités divisée par le nombre de jours. Donc, si je reprends mon exemple ici, ma rentabilité moyenne, donc ici, je fais la somme. Je fais la somme, ce qui me donne un total de 400. Ça, c'est la somme des rentabilités. Est-ce que ça va? Et pour trouver la rentabilité moyenne, pour trouver la rentabilité moyenne, du titre, je fais 48,305% divisé par le nombre de jours. Donc, si je calcule ma rentabilité moyenne ici, donc ici, je calcule ma rentabilité moyenne. Je fais donc égal ça divisé par 12. Et bien sûr, en pourcent, qui me fait une rentabilité moyenne de 4,03%. Est-ce que ça va? Oui. Okay. On a bien compris le calcul d'une rentabilité moyenne. Ça veut dire Est-ce que que vous oui. pourriez répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas suivi. Oui, pour trouver, on fait une moyenne classique, c'est une moyenne arithmétique, Areski. Donc je fais la somme des valeurs ici, ce qui me donne 48,305. Et je divise par le nombre de valeurs, 12. Je fais une moyenne. D'accord, ok, merci. Et ça fait 4,03%. Ça va, tout le monde a suivi, c'est bon? Alors maintenant, en fait, regardez une chose très importante. Si je vous dis qu'une action, que la rentabilité d'une action a été d'abord de 10%, donc le premier mois en T égale 1. Donc en 1, 10%. En 2, elle est passée à 16%. Et en 3, elle est revenue à 10%. D'accord? Donc tout à l'heure, Michel, tu me disais de calculer une rentabilité entre le premier, entre le deuxième et le treizième mois. Est-ce que tout le monde a compris que si je calcule une rentabilité entre le troisième mois et le premier mois, ça me fera zéro. En effet, monsieur. D'accord? En revanche, je peux calculer une rentabilité moyenne. La rentabilité moyenne, ça sera quoi? Ça sera 16 moins 10 sur 10, qui est égal à combien? À 6. Non, à 60%. Vous me suivez? 16 moins 10, ça fait 6, divisé par 10, ça fait 0,6, ça fait 60%. Ensuite, je calcule entre la période 3 et la période 2, ça fait 10 moins 16, divisé par 10.
divisé pardon, par 16. Ça fait combien? 10 moins 16 divisé par 16, ça fait moins combien? Non, pas moins 60. Ça fait moins 37,50. Voilà, ça fait moins 37,50. Donc là, vous voyez, pardon, là, on a dit que c'était sur 16. Ça fait moins 37,50%. Et donc là, la rentabilité moyenne, c'est la somme des deux divisée par deux. Est-ce que c'est bon? C'est 60 moins 37,5 divisé par 2. Ça fait combien? Ça fait 11,25%. 11,25%. Ça, c'est ma rentabilité moyenne. Alors que si l'on calcule la rentabilité entre le troisième mois et le premier mois, vous voyez, c'est absurde de faire ça. Ça fera zéro, en fait. En effet. Voilà. Maintenant, il existe ce qu'on appelle les rentabilités. Monsieur? Oui. Vous avez fait ce calcul-là pour démontrer que ce n'est pas possible de calculer une rentabilité moyenne entre la première et la troisième période, c'est ça? Ça n'a pas d'intérêt, en fait. Ah, ça n'a pas d'intérêt. On peut calculer la rentabilité moyenne entre la troisième. Elle est de zéro, mais l'important, c'est de réduire les périodes assez courtes, en fait. Calculer une rentabilité moyenne entre la première année et la dernière année, ça n'a vraiment pas d'incidence en termes de cours de bourse. Oui, mais après, vous avez choisi 10% pour la première période et 10% pour la troisième. Mais si c'était des pourcentages différents, ça, c'est toujours la même chose. Ça ne sera pas zéro, non, mais c'est pour montrer le côté, bien sûr, c'est pour montrer qu'en fait, on peut avoir entre 1 et 3 une rentabilité de zéro, mais en fait, la rentabilité moyenne, elle n'est pas de zéro. C'est ça que ça, je vais vous expliquer. J'ai pris ce cas pour vous montrer qu'on a une rentabilité moyenne. Si je prends la première, le premier mois et le troisième mois, j'ai une rentabilité moyenne nulle. J'ai une rentabilité entre la période 1 et 3 égale à 0. Or, si je fais une moyenne entre la rentabilité entre le premier mois et le troisième mois, j'ai une rentabilité de 11,25%. Oui. OK. D'accord. Très bien. Donc, maintenant, on peut calculer ce qu'on appelle, en revanche, on peut calculer ici une rentabilité, ici, comment dirais-je, géométrique. Vous voyez, si on vous dit, par exemple, la première année, la rentabilité est égale à R1. La deuxième année, la rentabilité est égale à R2. La troisième année, la rentabilité est égale à R3. Et la quatrième année, la rentabilité est égale à R4. D'accord ? On peut calculer la rentabilité moyenne arithmétique. C'est-à-dire on fait la somme des rentabilités, on divise par 4. D'accord ? Mais ce qu'on peut aussi calculer, c'est en moyenne combien, pour passer de R1 à R4, quelle est la rentabilité qui nous permet de passer de R1 à R4. Donc là, on va calculer ce qu'on appelle une rentabilité comment ? Géométrique. Comment dire, admettons que ici, j'ai une rentabilité de 8% la première année, de 10% la deuxième, de moins 10% la troisième et de 5% la quatrième. Bon, la rentabilité moyenne, ça sera 8 plus 0 plus 5 divisé par 2, ça fait 6,5%. Est-ce que c'est bon? Puisque ça plus ça, ça fait 0. C'est bon? Maintenant, la rentabilité moyenne géométrique. Puisque j'ai 8%, ce qui veut dire que mon coefficient multiplicateur,
c'est 1,08 pour la première année. Je multiplie 1,01 pour la deuxième année. Je multiplie 0,9 pour la troisième année. Je multiplie 1,05 pour la quatrième année. Et pour trouver ma rentabilité moyenne, là je fais une moyenne géométrique, je fais bien sûr racine quatrième de tout ça. Et pour trouver ma rentabilité, je fais tout ça moins 1. Donc je prends ma calculatrice et si j'entre 1,08, en fait les rentabilités elles sont composées. Que multiplie 1,1, que multiplie 0,9, que multiplie 1,05, le tout à la puissance 1/4, moins 1, ça me fait une rentabilité moyenne géométrique de 2,93%. Ça veut dire que augmenter de 2,93% tous les ans, vous ne me suivez ou pas, une augmentation de 2,13% tous les ans équivaut à 8% la première année, 10% la deuxième, moins 10% la troisième et 5% la quatrième. Et ça me mène à la formule qui vous donne la moyenne géométrique qui est ici. Donc, rentabilité moyenne géométrique d'un titre. Bon, on l'utilise très, très rarement. C'est plus la moyenne arithmétique que l'on va utiliser. Mais sachez que la moyenne géométrique se calcule comme ça. On fait 1 plus la rentabilité du premier mois, plus 1 la rentabilité du second mois, du n-ième mois, le tout à la puissance 1 sur n, moins 1. Et là, c'est le signe, au lieu d'avoir le signe plus ici, au lieu d'avoir le signe somme qui fait plus, là, le signe, ça veut dire le signe multiplié. C'est le signe, la somme des produits, en fait. Là, c'est la somme R1 plus RI2, RI3, RI4. Là, c'est 1 plus RI1 fois 1 plus RI2 fois... Voilà, donc ça, c'est multiplié. Voilà, pour la moyenne géométrique. D'accord. C'est comme si, pour vous donner un autre exemple, si on vous dit un capital a été placé à 5% la première année, et le capital, ensuite, la période d'après, le taux et admettons que la première année, le taux soit de 5%. Ensuite, le capital, l'année suivante, le taux passe à 8%. Ensuite, l'année d'après, le taux passe à 4%. Et enfin, pour finir, la quatrième année, le taux passe à, à 10%. Si je prends un capital de 1 euro, je récupère combien ici? Je prends 1 euro que je place à intérêt composé. Je récupère combien ici? Je récupère 1 euro que multiplie 1,05, que multiplie 1,08, que multiplie 1,04, que multiplie 1,1. Ça me donne combien au final? 1,05 fois 1,08 fois 1,04 fois 1,1. Ça me donne 1, ma valeur acquise est de 1,29,7. 29,73. D'accord. Maintenant, on peut vous poser la question, à quel taux moyen calculer le taux moyen annuel? Le taux moyen annuel,
est égal à une moyenne géométrique. Donc, pour trouver le taux annuel moyen de placement, c'est une moyenne géométrique qu'il faut faire. Vous dites, je prends 1 euro, je le place au taux moyen que je ne connais pas, que je veux calculer, 1 plus taux moyen, mais je le place pendant combien de temps? Pendant 4 ans, 1, 2, 3, 4, et je dois obtenir quelle valeur? 1,2973. Pour trouver le taux TM, je fais 1 plus TM, taux moyen. Là, c'est la puissance. Donc, l'opération inverse de la puissance 4, c'est la racine quatrième. Ça me fait 1,2973 à la puissance 1 quart. Et donc, ça me fait TM égale 1,2973 à la puissance 1 quart moins 1. Donc en fait, pour être précis, le taux moyen de placement, c'est ce qu'on a dit, c'est 1,05, vous voyez, 1,05 que multiplie. Donc pour retrouver ça, je le retrouve ici, 1,05 fois 1,08, d'accord, fois 1,04. Fois 1,01, le tout, oui, à la puissance 1 quart, moins 1. Et je retrouve bien ma formule que j'ai inscrite tout à l'heure, 1 plus R1 fois 1 plus R2 fois 1 plus R3 fois 1 plus R4 à la puissance 1 quart. Et si j'ai n valeurs, c'est puissance 1 sur n. Ça, c'est une moyenne arithmétique. Rudy, ça, c'est là. Si je place 1 euro ici, je récupère au bout de 4 ans, avec des placements à 5, 8, 4 et 10, je récupère 1,2973 €. Ok, Rudy? Là, si je place 1 euro aujourd'hui, je place 1 euro aujourd'hui, la première année, il me donne 1 fois 1,05, après le résultat fois 1,08, après fois 1,04, après fois 1,0. Donc, si je veux trouver un taux moyen, ben, le taux moyen que je vais trouver, c'est une moyenne géométrique. D'accord? C'est une moyenne géométrique que je vais calculer. Et donc là, ça me donnera la forme générale, c'est celle-là. Vous voyez? 1 plus le taux fois 1 plus le taux fois 1 plus le taux à la puissance 1 sur 4. Moins 1. OK. Bien. Pas de questions. Monsieur? Oui. À quel moment, du coup, on va utiliser une moyenne arithmétique et à quel autre on va utiliser une moyenne... Nous, quand on calcule la rentabilité, ce serait une moyenne arithmétique. La moyenne géométrique, elle intervient surtout quand on cherche des taux équivalents, des taux moyens, etc. D'accord? Mais sachez qu'il existe deux types de moyennes. Nous, dans le cas, dans ce qui nous intéresse, pour ce qu'on appelle pour tout ce qui est valeur et risque, n'est-ce pas, calculer une moyenne, calculer une variance, calculer, on va travailler sur des moyennes arithmétiques. D'accord. Voilà. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de, on va aborder après, tout à l'heure, donc dans la deuxième partie, calcul donc de la du risque, justement, qui va être mesuré par la variance. Donc, on va utiliser la formule de la variance que je vais vous expliquer. Et ensuite, on va déduire, calculer donc l'écart-type. Donc, ça, c'est un paramètre qui va mesurer la dispersion des rentabilités autour d'une rentabilité moyenne. Et ça, ce paramètre-là, ça s'appelle l'écart-type. On verra ça, si vous voulez bien, après la pause. OK? Entendu, monsieur. Alors maintenant, on va calculer d'abord très rapidement la variance. Donc, la variance, c'est quoi? En fait, la variance, elle mesure la dispersion des xi autour de la moyenne. Donc, la formule, si je la détaille, ça va être la rentabilité du titre i, la période t, moins la rentabilité moyenne
moins la rentabilité moyenne, le tout au carré. Donc, on va mesurer cet écart au carré. On va faire la somme de ces écarts-là au carré. Et on va diviser par le nombre de valeurs par n. Et ça, ça me fera la variance de la rentabilité du titre ou de l'action. Donc ça, c'est une première formule de la variance. Cette formule-là, elle a le mérite de mettre en avant le fait qu'on fait la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Mais le calcul le plus rapide, lorsque on fait ça manuellement, l'expression de la variance, la formule la plus rapide, c'est simplement celle-ci. La somme des RI T au carré moins la moyenne de la rentabilité du titre au carré. Donc, cette formule-là est plus indiquée pour les calculs. Et ensuite, nous avons l'écart type, qui est tout simplement l'écart type au carré. C'est tout simplement la variance. Et donc, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. L'avantage de l'écart type, c'est qu'il s'exprime dans la même unité que RI, alors que la variance s'exprime dans l'unité au carré. Donc, écrit plus proprement, voilà ce que ça donne. Donc, le risque d'un titre, la variance, voici sa formule. Deuxième expression de la variance. Écart type, c'est la variance, la variance, c'est l'écart type au carré. Donc, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance de la rentabilité du titre. Je vous laisse noter ça. Formule importante. Et là, il n'y a pas de formulaire le jour de l'épreuve. Il faut les connaître par cœur, en fait. Et comme il n'y a pas de, comme la calculatrice est en mode examen, il faut impérativement être en mesure de les mémoriser. Donc, tout ce que l'on fait comme formule, c'est des formules qu'il faut retenir. On prend un exemple numérique très simple, histoire de comprendre. Alors, on va calculer la variance de deux façons. Je vais d'abord prendre cette... Bon, je vais faire très vite pour ça. Alors, donc là, j'ai RI. On va calculer la variance. Alors ici, j'ai RI. Là, admettons que j'ai une rentabilité de... de 12, puis de 10, puis de 8, rentabilité en pourcent. Donc tout le monde a compris que là je vais faire la somme. Donc, tout le monde a compris que la rentabilité moyenne, c'est 10%. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Je vous propose de calculer la variance de deux façons. D'abord, à l'aide de cette formule. Donc, je vais d'abord faire quoi ici? RI moins R bar. Donc, je fais RI moins R bar. Ça fait donc 12 moins 10, ça fait 2. 10 moins 10, ça fait 0. Et 8 moins 10, ça fait moins 2. Vous avez compris pourquoi on fait une élévation au carré? Parce que si je fais cette somme-là
cette somme-là sera toujours égale à 0. Et pour supprimer le signe moins, je fais une élévation au carré. Je vais calculer RI moins R bar, le tout au carré. Ce qui me fait... Alors attention, hein. Ça c'est des pourcents. Ça c'est des pourcents. Donc là c'est des pour... Là c'est des pourcents. Donc en fait, pour ne pas nous méprendre, je vais exprimer tout ça. Ça c'est du 0,012. Donc ça fait du 0,02. 0 et 8, ça fait du moins 0,02. Au carré, ça fait du 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, et ça fait un total de 0,0. Monsieur, oui. Ça ne fait pas 0,0004? Si, merci Michel. Alors, donc ici 4 et la 8, merci. Donc la 4 et la 8. D'accord? Donc en fait, tout à l'heure, quand je vous disais que c'était des pourcents, quand vous faites 2% au carré, ça fait 2 pour 10 000 en fait. Ça fait donc du 0,04% en fait. Oui. Parce que c'est le pourcent au carré. Faites attention. Vous avez compris? Oui, monsieur. OK. Ensuite, je fais donc, pour calculer ma variance, je fais donc, j'applique ma formule. J'écris donc la somme de ces RI carrés, c'est-à-dire 0, la variance, c'est 0,008 divisé par 3, ce qui fait, combien ça fait en pourcent? Enfin, ça fait 0 combien? Alors, on va calculer en pourcent après. Donc, 0,008 divisé par 3, il fait du 0,027%. Et si je prends la racine carrée de ce résultat-là, donc je prends la racine carrée de ce résultat-là, je vais trouver la variance, l'écart-type. Ce qui fait un écart-type, ce qui fait un écart-type de 16, ça me paraît beaucoup quand même. Je me demande si j'ai pas fait l'erreur de calcul. 16,33%. Ça me paraît beaucoup. Quand je regarde la rentabilité moyenne, quand je regarde les écarts qui sont là, est-ce que quelqu'un peut refaire les calculs? Je vais juste refaire les calculs. Ça fait du 0, je dis pas de bêtises, 0,0. Ben c'est juste 0,027, c'est ça? Oui, c'est ça. 27%.
Et si je prends la racine carrée de ce résultat-là, je crois qu'il manquait un 0 dans le 0,027. Ah bon? Parce que, en fait, quand je fais, comment je fais directement 0,0008 divisé par 3, le tout à la racine, ça, je retrouve 1,63%. Ah oui, d'accord. Donc là, si tu fais tout ça sous la racine. Ouais, ça me fait 0,016%. Donc si je l'exprime en pourcentage, ça fait 1,6%. Alors, donc il faut que je... Alors, donc Michel, j'ai bien compris, si tu fais ça. Oui. Ça 8 sur 3. Oui. Enfin, j'ai fait puissance 1,5, mais ça me fait. Oui, c'est ça. Donc ça fait racine 1, racine 2, point 0,008 divisé par 3, fermez la parenthèse, multiplié par 10. Ouais, ça fait effectivement, tu as raison, ça fait 1,63%. Ou 60, ouais, 63%. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc ici j'ai dû me, et si j'ai dû me tromper, point, alors 0,008 divisé par 3. Donc, il faut le laisser par... En fait, la variance, elle est juste en pourcent. C'est juste en pourcent. Voilà. Ce résultat est juste. Mais c'est après que quand je calcule, en fait, il vaut mieux garder la valeur. Cette variance est juste. Hein. Donc, la racine carrée de cette variance, ça donne bien 1,63%. Donc voilà le calcul maintenant. J'aurais pu le calculer à l'aide de cette formule-là. C'est beaucoup plus rapide, vous voyez. Ici, il a fallu que je fasse cette opération-là et cette opération-là. Alors que ici, je vais simplement faire la RI au carré. Donc là, je vais prendre 0,12. Donc là, je vais calculer RI au carré. Je vais donc faire 0,12. Je vais transformer le 12% en 0,12. Ce sera beaucoup plus facile. 0,10 et 0,08. Je vais faire le carré de 0,12, point 12 au carré. Ça me fait 0,0144. 0,1 au carré, ça fait 0,01. Et 0,08 au carré, donc ça fait 64 avec 4 décimales. Voilà, je fais la somme, point 0,0064 plus point 0,1 plus point 0,144, ça fait un total de 0,308. 0,0308. Je vais donc calculer la variance à l'aide de cette formule. Je vais faire donc variance égale la somme des RI carré 0,0308 divisé par 3 moins la moyenne R à bar, donc 0,1 au carré. Si je fais ce calcul-là, je devrais trouver la même valeur que ici. Donc je fais 0,308 divisé par 3 moins 0,1 au carré et ça me fait multiplier par 100, ça me fait pareil, ça me fait bien 0,027%. Oui. Mais cette formule-là est plus rapide que celle-ci. Oui. Là, j'ai juste une... Alors que là, il faut deux colonnes. Et là, il faut faire des soustractions. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est élever RI au carré. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est un calcul qui est fastidieux, qui est long, mais qu'il faut savoir faire. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à reprendre l'énoncé précédent. Est-ce que je peux effacer? Oui. Oui.
Alors, ah, il y a Rudy qui dit non, je crois. Ok, d'accord. Monsieur? Oui. Pour le deuxième calcul que vous avez fait, 0,0308 divisé par 3 moins 0,1 au carré. Oui, moins 0,1, c'est la rentabilité moyenne. D'accord. Okay. 10%, c'est 0,1 au carré. Oui. D'accord, merci. Et on retrouve bien la même valeur que ici. Oui. Voilà. Ok. Ok. Donc maintenant, ce que je vais vous demander, donc ça prend un peu de temps, mais ça fait. D'accord, on reprend donc l'exemple précédent. Cette fois-ci, donc la rentabilité moyenne, on l'a trouvée ici, et c'est donc 4,03%. Je vous demande maintenant de me calculer la variance. Encore une fois, cette formule-là est plus indiquée, c'est-à-dire cette formule-là, la seconde formule, la variance de RI égale à 1 sur N, somme des RIT au carré moins la rentabilité moyenne au carré, c'est-à-dire moins ça. Allez-y. Alors, faisons juste attention lorsqu'on manipule les pourcentages, parce que c'est des carrés ici. Quand je vais calculer ici donc la rentabilité RI au carré. Donc je vais faire donc cette, attention, si je fais cette valeur là, je fais cette valeur là au carré. Est-ce que tout le monde a compris que, en fait, donc cette valeur-là au carré, ça me donne ça. Je rajoute peut-être une décimale. Et si j'exprime ça en pourcentage, ça fait du. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Là, je suis en pourcentage. Oui, monsieur. OK. Et je tire ma formule vers le bas. Est-ce que ça va? Donc là, je peux rajouter peut-être. Voilà. Donc, je fais tout ça. Ensuite, il faut faire donc la somme de ces valeurs-là. La somme de ces valeurs-là. Est-ce que ça va? Et ça, c'est en pourcentage. On m'a suivi, c'est bon? Oui. Parce que quand vous faites 6% au carré, ça fait 36 pour 10 000. Il faut bien comprendre ça. En fait, quand vous faites 6% au carré, 6% au carré, ça ne fait pas 36%. Parce que le pourcent est aussi au carré. Donc, ça fait 6. Ça fait 36 pour 10 000. 36, pas pour cent, mais pour 10 000. Et pour cent, je multiplie, je divise par 100. Donc, ça fait 0,36 pour cent. OK? 36 pour 10 000, c'est 0,36 pour cent. Faites attention, le pourcentage au carré, ça fait pour 10 000. Donc, quand vous faites 6,03%, ne pas écrire 36,03%, c'est faux, c'est 0,3603%.
D'accord? Et maintenant, je peux appliquer mes formules pour trouver la variance. La variance de RM, de RI. Alors, faites attention, c'est donc égal à cette valeur-là divisé par 3, par 12, moins la rentabilité moyenne au carré. Et donc, en pourcent, ça fait du 0,26% pour la variance. Et en pourcent, voilà, ça c'est ma variance. Et ensuite, je vais calculer mon écart type en prenant la racine carrée de la variance. Alors, je n'ai pas le signe de l'écart type, quoique je pourrais aller le chercher. Je veux pas. Ah oui, je sais pourquoi. Non, il ne veut pas. Non, tant pis. Alors, le signe de l'écart type, ça fait donc égal à racine carrée de la variance. Et donc, si on le met en pourcent, pareil, si je mets ça en pourcent, ça fait du 5,06%. Est-ce que tout le monde a compris? Monsieur? Oui. Est-ce que vous pourriez vous remettre sur la formule de la variance, s'il vous plaît? Ici? Oui. OK. Oui. Merci. OK. Pardon. Donc là, on est parti à partir de valeurs historiques. Maintenant, on peut se placer en avenir aléatoire. Et dans ce cas-là, on ne parlera plus de moyenne, mais on parlera d'espérance mathématique. Et on parlera de variance, pareil, et on parlera d'écart-type. Mais de risque, en fait. Mais là, il va falloir définir ce qu'on appelle une loi de probabilité. Donc, c'est ce que je vais faire juste après, si vous avez fini d'écrire. Maintenant, on va passer à... On va supposer que notre titre, cette fois-ci, on va supposer que le titre prenne trois rentabilités possibles, mais bien sûr avec une certaine probabilité. Donc nous avons le titre suivant, toujours RI. Et donc là, nous avons
Alors, on a ici donc RI du jour en pourcent. Admettons que mes rentabilités soient de 20, de 30, de 20 et de 10. 30, 20 et 10%. Mais avec une probabilité PI égale à 0,25, 0,55 et 0,25. Je crois qu'il y a un problème. Plutôt, c'est 0, plutôt 50. Sinon, on a un souci. Alors, ici, c'est 0,50. 0,50 et 0,25. Il est normal que la somme des probabilités là soit égale à 1, puisque c'est une loi de probabilité. Est-ce que c'est bon? Et donc là, il ne sera plus question d'une moyenne, mais il sera question de ce quoi? D'espérance mathématique. Donc je vais calculer l'espérance mathématique. Je vais calculer l'espérance mathématique de la rentabilité du titre I. Pour trouver l'espérance mathématique, je vais appliquer la formule, c'est la somme des PIRI. Donc là, je fais une colonne pour PI.RI. Ce qui me donne 30 fois 0,25. Ça me fait donc, je ne sais pas combien, ça fait 0, ça fait 75, ça fait 7,5, ça? Oui, monsieur. En pourcent, 7,5, donc ça c'est des pourcents. Ensuite, 0,5 fois, donc là c'est des pourcents que je trouve. Ça fait donc 0,5 fois 20, ça fait combien de pourcents? 0,5 fois 20, ça fait combien de pourcents? C'est la moitié, monsieur, 0,5. Merci. Oui, donc ça fait 10%. Oui. Ça fait 10. Ensuite, ici, pareil, 2,5%. C'est ça? Oui. Oui, c'est ça, monsieur. Donc, si je fais la somme des valeurs là, ça me donne une espérance de rentabilité égale à 10%. 20%. Ok. Est-ce que ça va? Ça correspond, si vous voulez, à une moyenne, en fait. Et monsieur, comment on détermine les pays? Comment ils sont déterminés, les pays? Ah, ça, c'est des projections, en fait. On considère, c'est le phénomène étant aléatoire, la façon dont on fixe les probabilités, c'est on considère qu'il y a de fortes chances que ça fasse 30, de fortes chances que ça fasse 20, ou de, etc. Donc ça, c'est, il n'y a pas de formule, si vous voulez, pour ça. C'est le sujet qui va nous donner les... Ah oui, ah, bien sûr. D'accord, ok. Ah oui, la situation, elle vous est donnée comme ça, en fait. Non, parce que par exemple, pour les RI, là, on avait un calcul à faire. Ah oui, dans le cas d'une situation où vous êtes en avenir aléatoire, on vous donnera bien sûr la loi de probabilité. Oui, ça ne s'invente pas. D'accord, très bien. Entendu. Ah oui, en fait, au départ, vous aurez les deux premières colonnes, en fait. Vous aurez ça et ça. Et on vous demandera de calculer l'espérance, la variance, l'écart. Donc l'espérance, c'est la somme des PIRI, ce que je viens de faire ici. Donc, le total ici, ça fait 20%. Maintenant, on va calculer la variance. J'ai deux formules pour la variance. J'ai la formule qui est longue, c'est la somme des PI, RI, moins l'espérance de RI au carré. Mais il y a une formule plus rapide,
C'est comme pour l'avenir, comme pour les valeurs passées, comme pour les statistiques. La variance, la deuxième formule, c'est la somme des PI RI au carré, le tout moins l'espérance de RI au carré. Donc ici, si j'applique ma deuxième formule, celle-ci, je vais pouvoir calculer ma variance. Donc faites attention quand vous manipulez les pourcentages. Donc si je veux toujours exprimer ça en pourcent, donc je fais PI RI au carré, mais si je veux ça en pourcent, donc n'oubliez pas que ça c'est des pourcents, ça c'est des pourcents. Quand je les multiplie entre eux, 30 fois 7,5 en pourcent, ça me fait 2,25%. Est-ce que vous m'avez compris? Après, je fais 20 fois 10%, fois 10%, c'est 20% fois 10%, ça fait donc 200, ça fait 2%. Après, je fais 10 fois 2,5, 10% fois 2,5, ça fait 25%, soit 0,25%. Est-ce que c'est bon? Et maintenant, j'applique ma formule ici pour la variance. La variance de RI, c'est la somme. Donc, je fais la somme, ça me donnera des pourcents de 2,25 plus 2 plus 0,25. Et ça fait 4,5%. Donc la variance en pourcent, ça fait 4,5% moins, attention, moins l'espérance de RI, mais 20% au carré, moins 20% au carré. Donc ça fait 4,5% moins. Alors, je fais 20% au carré. Si je fais 20 au carré, ça fait 400. Mais 400, c'est 4%. Résultat, ça fait 0,5%. Ça, c'est pour la variance. Et bien sûr, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc, si je veux l'exprimer en pourcent, point racine carrée de 0,05, 0,005, racine carrée, ça me fait du 7,07%. Voilà. Donc ça, pareil, ce genre de calcul, il faut bien savoir le faire. Mais la difficulté, faites attention avec les pourcentages. Donc aussi, ce que je recommande souvent, c'est pour éviter les erreurs, au lieu de garder 30%, je vous invite plutôt à écrire 0,3. Voyez. Donc on va faire le même tableau avec 0,3, 0,2 et 0,1. Et comme ça, vous exprimez toutes les pourcentages, vous les mettez à la fin. Donc, si je refais le même tableau en manipulant ici, vous voyez, au lieu de mettre 0,3, 0,2, 0,1, au lieu de mettre 30%, 20%, 10%, si j'écris 0,3, 0,2 et 0,1, donc ici, je vais supprimer, c'est plus en pourcent, je vais calculer comme ceci. Je vais donc faire 0,3 fois 0,25. Donc, ça fait du 0,075.
0,075. Là, ça fait du point A. Et là, ça fait du point 0,25. Donc, point 0,25, point 0,25 plus point 1 plus point 0,75. Comme ça, ça vous évite les erreurs. Ça fait du 0,2. Et donc, l'espérance, c'est 0,2, c'est quoi? C'est 20%. Ensuite, ici, je supprime le pourcentage et je fais les calculs directement. Donc, je fais PI, je fais PI, je fais PIRI fois RI. Donc, je fais 0,3 que multiplie 0,075, ce qui va me donner 0,0225. Ensuite, je fais 0,2 que multiplie 0,1. Ça me fait 0,02. Ensuite, ça fait 0, alors 1, voilà, 25. Je fais la somme, donc 0,02 plus 0,0025 plus 0,0225. Ça me fait 0,045. Et je retrouve bien le 4,5% qui est là. Et après, j'applique ma formule, je dis ma variance. C'est 0,045 moins l'espérance de RI au carré, moins 0,2 au carré. Donc là, vous faites l'opération, 0,045 moins 0,04, ça fait du 0,05. Et vous retrouvez bien, 0,05. Et vous retrouvez bien le 0,5%. Et après l'écart type, prenez la racine. Donc là, ça fait du 0,5%. Après l'écart type, prenez simplement la racine carrée de 0,005. Ce qui fait du 0,0707, soit du 7,07%. Donc, c'est la gestion des pourcentages qu'il faut bien respecter. Voilà. Donc, c'est comme vous voulez. Faites attention simplement quand vous élevez au carré. Ce n'est pas des pourcents que vous obtenez, mais c'était pour 10 000. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Donc, en fait, après les formules écrites plus proprement, je vais vous laisser simplement écrire les formules ici pour le moment. Ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Pour le moment, cette partie-là. Voilà. OK. Donc là, vous avez l'espérance de x, c'est la somme de x. Alors, quand je dis x, c'est à la place de x, je mets r, la rentabilité. Le x désigne x, c'est ce que j'ai appelé moi. Grand x ici, c'est ma rentabilité, en fait. OK. Donc, l'espérance de la rentabilité, c'est la somme des RIPI. La variance de RI, c'est la somme des PIRI moins l'espérance de RI, etc. OK. Donc, le X, c'est votre variable aléatoire. Et puis, dans notre cas, une rentabilité. OK. Alors, juste à titre d'exercice, pour être sûr que tout le monde a compris, admettons qu'on vous donne cet énoncé-là. Alors, je vais prendre un autre énoncé ici. Voilà. Un autre énoncé ici. Voilà, on vous donne par exemple ceci. On a ici une probabilité. Je vous demande, juste à titre d'exercice, pour finir, être sûr que tout le monde sait faire,
Je vous donne ma loi de probabilité ici. Voilà. Un, deux. Je vais vous demander de compléter ce tableau. Donc ici, j'ai probabilité PI. Ici, j'ai la rentabilité RI. Et j'ai 2, 4, 5 valeurs. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là, j'ai une rentabilité égale à une rentabilité. Ouais, j'aurais pu faire l'inverse, je vais écrire la rentabilité de ce côté, c'est mieux, et la probabilité de ce côté. Donc ici, j'ai une moins 5%. %10, 20%, 30% et 45%. Et les probabilités correspondantes, 15%, ou si vous préférez 0,15. Donc, probabilité 0,15, 0,2, 0,3, de nouveau 0,2 et de nouveau 0,15. On vérifie juste, 15 et 15, ça fait 0,3, 0,3, 0,6, ça fait 10. OK, voilà. Donc, il ne vous reste plus qu'à remplir ce tableau. Alors, c'est comme vous voulez, soit vous travaillez des pourcentages, soit pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir ici une colonne pour XI, une colonne pour PI, RI, et ici une colonne pour PI, RI au carré. Voilà. Et je vous conseille de ne pas travailler avec des pourcentages. Il y a moins d'erreurs, en fait. Donc, au lieu de faire 0,15 fois moins 5%, faites 0,15 fois moins 0,05. D'accord? Vous faites moins 15, je multiplie moins 0,05, ce qui fait du moins 0,0075. Ou alors en pourcentage, ça va faire du 0,75. Hein? Ou en pourcentage, du 0,75%. Voilà. Donc ici, quand vous allez calculer ici, vous allez faire PI, vous allez faire celui-là fois celui-là, ce qui va vous donner du 0,05. Je multiplie moins 0,0075. Voilà. Donc là, il vaut mieux l'écrire comme ça, ce qui fait 4 décimales, 0,1, 2, 3, 4. Voilà. Ou alors en pourcent ici, vous faites moins 0,75. Et ici en pourcent, ça fait 0,0375%. Donc, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites le choix. D'accord? Donc, en réalité, si vous faites les calculs et si vous ne vous trompez pas, vous devez trouver une variance. Vous devez trouver une variance. D'abord, une espérance.
une espérance de RI qui est égale à 20%, vous trouverez une variance. Vous devez trouver une variance donc espérance RI qui est égal à 20%. Vous allez trouver une variance de RI qui est égale à 2,2750. Et vous trouverez un écart type qui est égal à 15,0831%. OK. Ça va? Je pense que je peux vous laisser faire ça à la maison tranquillement. D'accord? Mais on peut le faire rapidement sous Excel, si vous permettez. On va essayer de le faire sous Excel. Plus vite. Donc là, je vais effacer tout ça. Je vais essayer de reprendre. Donc ici, je vais écrire RI. On a dit combien? On a dit moins 5%. On a dit après 10%. Après, on a dit 20%, 30% et 45%. Donc tout ça on efface. OK, donc ça c'est PI. Et on a dit on a une probabilité de 15%, 20%. Alors on va regarder en pourcentage. Donc 15%, ensuite 20, après on a dit 30, on a dit 20 et on a dit 15. Voilà, on fait une somme, ça doit faire du 100%, voilà, très bien. Alors maintenant, on va calculer deux colonnes ici, PIRI, PIRI, et ici, PIRI au carré. OK. Donc PIRI égale ça, je multiplie ça. D'accord. Ensuite, on recopie la formule vers le bas. Voilà. On recopie la formule vers la droite. Voilà. Et on trouve ici tout en pourcent. Si on met tout en pourcent ici. Voilà. Donc, on va mettre des valeurs ici. Voilà. Et voilà. Donc, on va ici écrire égal. On va retaper cette formule. PIRI que multiplie RI. Voilà, on recopie la formule vers le bas. Voilà. Il ne nous reste plus maintenant qu'à
Voilà, qu'à appliquer notre formule pour la variance. Donc, l'espérance de RI, c'est quoi? C'est tout simplement 20%. C'est cette valeur-là. La variance de RI, c'est égal à cette valeur-là moins cette valeur-là au carré, ce qui donne du 2,27%. Et ensuite, l'écart-type, on fait tout simplement la racine carrée de la variance. Et voilà ce qui me donne bien ce qui était promis. Donc tout ça, on va mettre un peu de gras. Voilà, on va grossir un peu plus. Et voilà. Et là, nous avons nos réponses. Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Ça va. Voilà. Donc ça, c'est cette manipulation-là. Il faut bien donc essayer de vous entraîner chez vous pour que les choses se fassent mécaniquement en fait. Parce que n'oubliez pas, on n'a pas de formulaire. On est obligé de connaître les formules. Donc pour ça, il faut les appliquer pour pouvoir les retenir en fait. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à la prochaine. Merci monsieur. Bonne soirée à vous aussi. Okay. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Okay, au revoir. Au revoir.